Ouais. Ouais. On va faire construire une maison. Drette là, devant moi. Genre, toi pis moi, personne d'autre. Je pense que Myriam, au départ, puis moi aussi, à quelque part, on avait le souci de quand même rester proche du livre jusqu'à temps qu'on comprenne que c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait juste aller s'inspirer. C'est aujourd'hui, en fait, c'est librement inspiré de Kwesipen. Il fallait s'inspirer de ce livre-là pour créer une histoire nouvelle, puis créer une histoire solide qui s'ancre dans la communauté, dans la culture innu, moderne, puis qui va venir toucher les gens. Tu sais, avec un jacuzzi en plus. Ouais, tellement! J'avais le goût de parler de autre chose que de mon nombril, mais en même temps, j'avais un syndrome de l'imposteur parce que je connaissais pas assez les gens d'ici. Ma demande au départ, c'était pas « je peux-tu adapter ton livre? », c'était « veux-tu écrire avec moi? » Parce que t'es une fille qui connaît la place, et t'as un talent d'écriture magnifique. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a vraiment un talent exceptionnel. Puis j'avais goût de l'intégrer là-dedans. Fait qu'elle m'a dit, ben moi, je sais pas scénariser, j'ai jamais fait ça. Ça tombe bien, moi, je sais faire ça, mais toi, t'as l'expérience, puis t'as le regard de l'intérieur que moi, j'avais pas. Fait que ça a été ça, l'échange, en fait. Moi, je donnais tout un peu mon bagage de création en cinéma, puis elle m'amenait le regard de l'intérieur. Fait qu'elle a été la muse tout le long. J'écrivais, mais je validais tout le temps avec elle. 34 sur 2 prises, 2 caméras, IV, clap, comme elle. Et playback! Quand on lit Kwesipen, on comprend qu'on ne peut pas adapter ce livre-là. Je ne peux même pas croire encore aujourd'hui qu'elle a eu l'idée de faire un film avec ce livre-là. Mais je sentais chez elle qu'elle avait une bonne intention, ce qui est déjà un bon début, puis que dans sa démarche, vu qu'elle voulait m'inclure comme co-scénariste, tu sais, je sentais qu'elle avouait déjà qu'elle avait besoin d'aide pour entrer dans la communauté, pour parler de cette communauté-là, puis en faire un film, tu sais, qui serait authentique.